Les amis, c'est moi, c'est Spider-Man, pété, autant de pété que vous voulez, .com. Mais aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fuis le tueur, l'épisode 796. Du coup, les gens, nous sommes l'épisode après la sortie de Dynamite Dredger. On peut pas dire que ça s'est super bien passé pour moi. Honnêtement. Mais je peux vous garantir que je m'en suis remis, ok? Vous voyez, parce que peut-être que vous l'avez pas remarqué, je sais pas si je suis bon à le cacher ou pas, mais je peux vous garantir que je me suis senti sacrément mal, ok? Genre, c'était vraiment... C'était très non satisfaisant, ok? Genre, c'était vraiment horrible, j'étais très... mal, mais honnêtement, les gens... En revoyant ma vidéo, je crois qu'il est possible que j'ai cliqué genre, allez, on va dire une 0,4 secondes trop tôt. Je crois que j'ai cliqué juste un tout petit peu trop tôt, les gens, honnêtement. Mais si ça se joue à ça, les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, honnêtement? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, attendez, oula. Oh, j'ai réussi. Mais honnêtement, honnêtement, les gens... Lorsque j'ai rewatch, genre certes, j'ai cliqué. Alors en fait, les gens, pour être honnête avec vous, j'étais vraiment pas prêt lorsque ça allait sortir, parce que d'un côté j'avais sac à sac, du coup je savais pas où mettre l'œil, j'étais pas du tout organisé, c'était n'importe quoi. Du coup ça m'a fait cliquer trop tôt pour les deux, je crois carrément, du coup. Mais de toute façon, les gens, le truc c'est que c'est intéressant parce que j'ai remarqué que lorsque j'ai cliqué sur acheter alors que c'était pas encore tout à fait en vente, et ben pourtant dès que j'ai cliqué sur ok, quand j'ai cliqué sur fermer le truc qui me dit que ce n'est pas en vente, ils m'ont dit ils m'ont mis dans la queue juste après. En fait, j'ai pas cliqué deux fois et pourtant ils m'ont mis dans la queue juste après, et du coup ils m'ont validé. Je sais pas comment ça fonctionne, parce que en gros ils m'auraient validé juste après que j'ai cliqué sur ok, cet item n'est pas en vente. C'est... Oula, wow. Du coup, ouais, les gens, vous savez quoi? Prochain drop, là, ce sera la Sunstar Pickaxe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de... Alors, attendez une seconde. Pourquoi j'ai enlevé le shift lock? Ah oui, c'était pour faire ça. On va tenter de faire autre... On va emprunter une autre technique, ok? Parce que je pense que j'ai été beaucoup trop... focaliser sur le truc. Genre, je pense qu'il faut que je l'achète un peu plus tard. Genre, vous savez quoi? Je vais essayer de l'acheter 3 secondes après qu'elle soit en vente. 3 secondes après le moment qu'elle disparaît. Ok? Je vais essayer de faire ça. Et puis, premièrement, les gens, genre, la première chose que je devrais dire, c'est que les développeurs ne devraient pas sortir de limité avant que ce soit correct. Certes, les gens, je dois l'avouer qu'il est possible que je n'ai pas cliqué au bon moment. Enfin, il doit y avoir un truc de ce genre. Et je pense que j'ai un peu foiré ça. Mais je ne dis pas que leur système fonctionne, ok? Il y a quand même un problème. Il y a eu un problème de ma part. C'est le fait d'avoir été trop rapide et d'avoir fait n'importe quoi. Enfin, j'ai pas fait n'importe quoi. J'ai juste cliqué une demi-seconde avant, voilà. Mais eux, leur système de queue ne fonctionne pas. Parce que s'il fonctionnerait... il suffirait pas de relancer un serveur pour y arriver. Ça, c'est pas tout le temps le cas, mais ça a fonctionné à chaque fois. Pour Faceblade et pour le Yellow Test Slicer, ok? Voilà. Donc oui, il y a ça aussi. Et d'ailleurs, les gens, désolé, trois vidéos plus tôt que celle-ci, j'avais dit que cette arme sera obtenable dans, bah, du coup, 14 jours, sauf qu'en fait, elle est disponible jusqu'à 14 jours, donc vous devez l'acheter, vous avez plus que 11 jours pour l'acheter en gros. Je me suis trompé, j'ai inversé, je pensais que c'était un compte à rebours, sauf que ce n'est pas, c'est le compte à rebours de la mise hors vente, voilà. Du coup, bah écoutez, je vais essayer d'être un peu plus intelligent pour la, comment elle s'appelle, la Sunstar Pickaxe, voilà. Je vais essayer d'être un peu plus intelligent.
Mais honnêtement, les gens, j'espère que les développeurs ne sortiront plus de l'illimité, ok? Je veux plus que ça sorte, ok? Je ne veux plus qu'ils ne sortent, je veux plus qu'ils sortent de l'illimité. Je veux qu'ils sortent délimités lorsqu'ils auront un système qui fonctionne, ok? Je suis désolé, mais c'est indéniable. Je suis désolé, mais il y a un problème, ok? C'est indéniable. Je m'en fiche. Qui disent que ça fonctionne parfaitement et non, ok? Et d'ailleurs, personne ne l'a dit que ça fonctionnait parfaitement, ok? Je veux l'entendre, je veux que ça vienne de la bouche d'un développeur qui programme. Personne d'autre. Mais bon, apparemment, les gens, pour eux, les développeurs, tant qu'il y en a, ils arrivent à obtenir l'arme, la Dynad Ridger. Oh, ça va, vous voyez, il y en a 500 qui les ont quand même eus, vous voyez. D'ailleurs, le 4 sur 500, c'était un bug visuel, c'était rien. Mais il y a quand même eu 500 personnes qui l'ont eu, vous voyez. Donc, pour eux, les développeurs, c'est bon. Et il faut pas que ce soit bon, parce qu'il y en a, ils ont cliqué peut-être avant certaines personnes, et ils l'ont pas eu. Alors qu'il y en a, ils ont cliqué après, et ils l'ont eu. What? Il y a un déséquilibre, c'est pas juste. C'est pas fair pour tout le monde. Et ça, j'en suis sûr à 1 milliard de pourcents. Dites ce que vous voulez. J'en suis sûr à 1 milliard de pourcents. C'est pas juste pour tout le monde. Par contre, les gens, surtout faites attention. Lorsque vous rejoignez un serveur, par exemple, là, je l'ai senti, je crois que j'ai à peu près 250 de ping sur ce serveur. Voilà, 200, 300. Soyez sûr avant la sortie d'un limité que vous ayez un bon ping et que votre connexion soit stable, ok? C'est important. Hey Steph! C'est super important parce que lorsque vous cliquez sur acheter, si vous avez 60 ms, ça va répondre 0,4 secondes après, ok? Si vous avez 300, ça va répondre presque une seconde après, ok? Il y a vraiment une grosse 10 secondes, il y a vraiment une grosse différence. Mais voyez, si c'est un limité, genre à, allez, 5000, 300 de ping, ça fait rien, ok? Mais si c'est genre 500, comme le Dynad Rager, putain, la quantité, putain, mais les gens, je suis choqué, ok? Je suis choc-barre, il y a 500, c'est rien, putain de merde, c'est incroyable, ok? C'est genre, mon Dieu, est-ce que le drop de Faceblade a été bien reçu pour vous, les gens? Est-ce que vous trouvez que... Ah, attendez, pourquoi je suis AFK? Est-ce que vous trouvez que Faceblade a été bien reçu? Genre, le nombre de gens qui se sont plaints, c'est incroyable. Parce que, ouais, ils n'ont pas réussi à obtenir l'arme alors qu'ils étaient là et tout, ils ont cliqué. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à sortir deux nouveaux limités en un espace de quelques mois. C'est pas incroyable. Genre, ils n'ont pas peur. Genre, ils s'en foutent. Et ça, c'est pas cool. Imaginez, ils sortent encore des trucs à Halloween. Les gens, à mon avis, cette mise à jour de The Mines, elle est faite pour nous ruiner avant Halloween. Comme ça, il y aura des armes plus rares pour Halloween, du coup. Parce que, du coup, il y aura moins de gens qui pourront mettre de la thune. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer, moi, je vous le dis. Drôle de vie. The Mines Update, certes, elle est superbe, mais son placement est très malin. Moi, je vous le dis, c'est très, très, très malin. Et d'ailleurs, vous savez quoi, les gens? Peut-être que la améthyste pickaxe, c'est un compte à rebours avant Halloween. Vous savez quoi? Autant c'est un compte à rebours. Et nope, on n'a pas de date pour la Sunstar Pickaxe. D'ailleurs, les gens, il y a un gars, je l'ai dit dans la dernière vidéo, il s'appelle Skibidi Samurai, et il a leak une photo de la Sunstar Pickaxe, et genre, il n'y a absolument personne d'autre qui a réussi à la voir. Et il a posté comme ça dans la Trading Channel, il a dit Trading for good offer. Et genre, ça sort littéralement de nulle part. Du coup, ouais, les gens. Mais ouais, la Sunstar Pickaxe, c'est qu'un reskin de la pickaxe normale et de la gold pickaxe. Celle-là. Du coup, ouais, hein. J'espère que vous avez réussi à l'avoir, hein, pour ceux qui comptaient vraiment l'acheter et qu'ils ont mis des... Ils ont mis... Vous voyez, vous vous rendez compte, les gens, quand même, les développeurs, ils nous font acheter genre 1000 gemmes. Ça coûte quand même pas mal de thunes, hein? Quand même pas mal d'argent réel. Et on n'est même pas sûr de pouvoir l'avoir. Genre, heureusement qu'ils nous enlèvent pas la thune. Enfin, heureusement qu'ils nous enlèvent pas les gemmes si on clique sur acheter et qu'on est en file d'attente. Ils attendent avant qu'on reçoive l'arme, ça c'est bien. Mais quand même, ils nous font acheter des gemmes.
Tout ça pour qu'on les utilise pas. Genre, regardez, qu'est-ce que je vais en faire de mes 1000 gemmes? Je vais acheter la cabine en pierre là-bas, la mineshaft cabine. Je vais m'acheter la amethyst pickaxe. Je sais même pas comment on va pouvoir acheter la sunstar pickaxe. Genre, les gens, est-ce qu'il faut que je l'achète avec 1500 gemmes? C'est pour rééquilibrer. Genre, Dina Dredger, elle fait 1000 gemmes et 500 copies. Du coup, pour rééquilibrer la sunstar, ce qui va se passer, c'est qu'elle va coûter 2000 gemmes pour 2000 copies. Du coup, c'est aussi rare que dynamite? Bah. Non, ce sera quand même pas aussi rare parce qu'il y en a, ils peuvent mettre. Non, c'est la quantité qui compte en vrai. On peut pas rééquilibrer ce genre de choses. Donc voilà, les gens, c'est vraiment ce que je pense. Les développeurs feraient mieux de changer d'idée, de faire tout ce qu'ils veulent, mais pas sortir de limité jusqu'à ce que ce soit stable. Ok? Et je vais changer de serveur aussi. D'ailleurs, ils ont ajouté une nouvelle affiche. Je sais pas vous, mais on dirait que c'est un peu IA. Mais en vrai, non. On dirait, c'est juste parce que c'est très plastifié, mais en vrai, non. C'est pas trop la vibe de STK non plus, je trouve. Oh là là, les gens. Je sais pas quoi vous dire. Hein. Enfin, je pense que j'ai vraiment tout dit, hein. C'est n'importe quoi. Tant que 500 personnes obtiennent l'arme, c'est good. Et c'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Il faut que ce soit les prums qui l'obtiennent premier. Faut pas que ce soit des gens random qui cliquent à n'importe quand. Donc là, drop a Sunstar Pickaxe, les gens. Je l'achète. Je l'achète 3 secondes après sa sortie, ok? 3 secondes pour 2000 copies, ok les gens? 300 secondes. Et vous savez quoi? J'espère que j'arrive pas à l'obtenir. Parce que ça prouverait encore plus l'absurdité de ce fonctionnement, ok? À 3 secondes, ok? L'arme est despawn. Hein, non, je vais commencer carrément par 0. Donc, l'arme est réapparaît. 1, 2, 3... Et j'achète, ok? Je vais essayer. Et je vais le faire aussi sur sac à sac. Sauf que sac à sac, je vais ne pas le faire quitter, ok? Sac à sac, je vais faire en sorte qu'il achète direct, ok? Il achète dès que possible. Sans l'acheter avant, comme je l'ai fait pour la Dina Dredger, ok? Et Spider, il va l'acheter 3 secondes après. C'est ça le plan. Par contre, sachez qu'on n'a aucune date de sortie pour la Sunstar, mais on n'en sait rien du tout. Mais ça, écoutez les gens, on verra. Yes. Ça m'étonne quand même. Ça m'étonne que ni Dude One, ni Zach, ni Cody n'ont rien dit sur leur... Ils ont rien dit. Ils ont juste sorti un test limited. Aucune info, genre juste un test drop. Ils nous donnent aucune info. Genre les gens, en vrai, maintenant que j'y pense. Ils ont sorti le Yellow Test Slicer en avril, je crois. Voilà, c'est pour tester les limited, let's go. Aucune autre info, ok. Genre juste un compte à rebours, une arme, c'est tout. On voit qu'il y a un gros problème. Ils nous donnent aucune info, genre vraiment rien de spécial. Il y a aussi un second drop. Il se passe exactement comme le premier, genre aucun changement. Les deux drops sont horribles. Ils sont aussi injustes, voilà. Faut relancer le serveur et tout. Certains, voilà, c'est n'importe quoi. Puis ensuite, aucune info sur ça. Rien du tout. Puis ensuite, genre un mois ou deux plus tard, ils nous sortent Faceblade. Ok, du coup, bah, on sait pas si ça va se passer mal comme le Yellow Test Slicer. Et c'est exactement le... What the fuck? Quoi? Et c'est exactement le cas. Faceblade est une catastrophe. Déjà, on n'arrive pas à la voir et tout, c'est... Mais... Donc voilà, en gros, aucune info. Alors qu'il y a clairement un problème.
ensuite, on y est les gens. Alors, pourquoi vous m'avez pris le revive? Ils sortent à nouveau deux nouveaux limités. Avec encore moins de copies. Va savoir. Mais bon, moi je vous dis les gens. Non, en fait, j'ai rien à dire. Vous savez quoi, c'est bon, je rajoute plus rien. J'ai dit ce que j'avais à dire, ras-le-bol maintenant. It's fucking sad, bro. This is just fucking sad. Dites-moi ce que vous en pensez honnêtement les gens. Est-ce que j'aurais loupé une information? Peut-être que les développeurs auraient donné des updates sur leur fonctionnement ou je sais pas moi. J'aurais peut-être loupé des infos, n'importe lesquelles. Mais moi tout ce que je sais c'est qu'on a eu un test et on a eu des limités ensuite. Alors que la communauté a bien dit, plein de gens ont dit qu'il y avait des problèmes. Hein. Et je sais qu'il y en a. Donc, putain de merde en vrai. Genre, c'est random en fait. C'est totalement random. Genre, en fait, tu tentes ta chance quand tu cliques sur acheter. Faut pas être le premier. Tu tentes ta chance en fait, c'est tout. Tu cliques n'importe quand. Tant que c'est pas sold out, ok. Tant que tu vois qu'il y a encore 4 sur 500. Bon, ça c'était visuel, c'était un peu unique. Mais. Tant que tu vois qu'il. Putain, distance. Faut que je change de serveur. Tant que vous voyez que. Que c'est pas sold out, juste quand vous cliquez, vous tentez votre chance en fait. Ne soyez pas premier comme je l'ai fait moi pour le Dina. Juste, faites-le quand vous voulez, cliquez sur acheter quand vous voulez. Il n'y a pas de queue. Loin de là. Ou soit il y a de différentes queues, vous savez quoi? Il y a différentes queues. Les développeurs, ils ont foiré quelque part, ils se rendent pas compte, mais ils ont fait en sorte qu'il y a plusieurs queues. C'est peut-être ça. C'est vraiment navrant, hein. C'est très très navrant. Oh là là, pourquoi je peux pas trouver un serveur correct? Voilà, maintenant, les gens, je me souviendrai toujours de Mines comme la map. Pff. Non, vous savez quoi, je vais pas garder une image négative de Mines. Elle mérite pas ça. Cette map, elle est super. Faut pas que je la relie à cet événement. Ça vaut pas le coup, honnêtement. Donc les gens, je vous jure, ok? Je vais vous dire un truc. Si à Halloween, ils sortent, ne serait-ce qu'un limité à 5000, je vais devoir reconsidérer certaines choses, telles que... telles que mon envie de jouer. En vrai de vrai. Bon, je déconne, mais en vrai, le truc, c'est que... Faut pas que les devs fassent la connerie d'en remettre. Faut pas, en fait. Genre, est-ce qu'ils lisent les bug reports? Genre, est-ce qu'ils regardent les faits? Ou est-ce qu'ils vont continuer de faire délimiter, de se dire... Oh, tant qu'il y en a qui ont la quantité de l'arme. Genre, tant que le stock, il s'écoule, ça veut dire que ça fonctionne. Il y en a, ils l'ont. Tant mieux. Il doit vraiment prioriser la justice. Et que les premiers soient premiers. Et pas que ce soit random. Bon, on a trouvé un bon serveur. Ça, c'est super.
I woke up, I found her. That's all I know. D'ailleurs, les gens, j'ai vu quelqu'un qui a fait un bug. Il... il a pu... What? Oh là là. Il a pu... il a trouvé un endroit où vous pouvez passer entre les murs et sortir de la map. Genre, vous pouvez voir un peu en X-ray comme dans Minecraft. You gotta check this out. Donne ton obsidienne. You dummy. Ici, ils devraient mettre des trucs en or, les développeurs. Bruh. He's not for real. What the fuck? Bah, pourquoi tu le gardes rien que pour toi? Il y avait quelqu'un juste à côté. T'aurais pu partager, je sais pas. Yes. Bon, du coup, les gens, bientôt, je crois que je vais faire l'unboxing. Je sais pas si c'est une bonne idée, puisque, bon, je crois que c'est une crate permanente, je sais même pas. Mais je pense qu'elle est permanente. Et bientôt, il y a Halloween, donc je pense que les développeurs veulent nous ruiner. En plus, hey, ils ont fait attention qu'elle soit à 1000 coins, hein. Hey. Mille coins, bien, pour bien nous ruiner, les gens. J'en veux 10, 10 000. Par contre, je vais pas vous le cacher, les armes elles sont super belles. Emerald Slicer, Sapphire Slicer, Ruby Slicer, Silver Ore Slicer, Gold Ore Slicer, Diamond Slicer, Sapphire Cave Slicer. Gold Cave Slicer. Oula, comment on dit? Amethyst. 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 Amethyst Cave Slicer. Coal Cave Slicer. Amethyst Coppish. Tormented Coppish. Dwarven Hemvil. Epico. Maintenant qu'elle dégage, le plus loin que possible. Je veux pas la voir. Pish. Et si la Sunstar Pickaxe, ils l'ont mis dans le... Nope. Au lieu de sortir délimité, les développeurs devraient fixer les dupes avant. Genre... attendez les gens, pourquoi ils sortent... Attendez maintenant que j'y pense. Pourquoi ils sortent délimité avant le dupe patch? Genre what? Genre d'abord patcher les dupes. Vous sortez des armes 500, 2000 et vous patchez même pas les dupes avant. Ouais, moi je comprends plus hein. Dudon a récemment dit qu'il avait ajouté more safeguards against duping. N'empêche que va falloir déjà les noircir et tout, tu vois, avant de commencer à faire les choses sérieuses et de script un bon système, tu vois, un bon code qui fonctionne avec une queue qui fonctionne, tu vois, ce serait déjà ça. Ce serait un bon pas. C'est un, on va dire c'est la première étape. C'est un peu un must, tu vois, avant de faire quoi que ce soit. Il devrait ouvrir à une test place
où on peut vraiment tester des drops et voir si les premiers l'ont vraiment. Et pas genre le 501ème, il arrive à avoir le 500ème. C'est pas normal. Genre pourquoi un 501ème clic pour obtenir 500? C'est pas normal. Ils ont quoi, vous savez quoi, plus détailler le message. Genre, vous voyez, quand ils nous disent qu'on est dans la queue, qui nous précise la position qu'on a, pourquoi pas? Genre, pourquoi ils ne préciseraient pas la position? Comme ça, on sait si on a perdu ou pas, directement. Genre, purchase request in queue, please wait. This may take some time. Au lieu de dire ça, ils disent la même chose, ok? Sauf qu'ils rajoutent notre position dans la queue, ils la calculent. Ils pourraient nous la montrer au bout d'un moment, c'est totalement faisable. Il suffit de print la position. Bon, je sais pas comment ils foutent leur script, mais c'est plutôt facile. Logiquement. Genre, au lieu de nous mettre ce message, carrément, ils nous disent, vous êtes éligible, attendez. Voilà. Genre, au lieu de nous dire ça, ils nous disent, désolé, mais vous êtes plus dans... Enfin, je sais pas moi. Ils ont qu'à repenser leur système au lieu de mettre ces messages à la con, là. Avec leur item not found, reportez-le à un community manager. C'est quoi ça? Freeze non plus n'est pas content à ce que je vois. Hein. Je saurais pas quoi vous dire. What the fuck? Yo Freeze. Pop 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 Bien, je suppose que toi pas beaucoup. Merde. Les devs feraient mieux de patch les dupes avant de sortir des limited dont la queue ne fonctionne pas. Lol. C'est mon avis. Un peu exagéré, mais en gros, c'est ça. Bah, je t'en prie. Raconte-la moi, je suis tout ouïe. Moi, mon histoire, c'est j'ai cliqué 0,3 secondes trop tôt. Et pourtant, sac à sac, je crois que j'ai cliqué juste après, hein. Mais bon, ça, je sais pas parce que j'avais pas les yeux dessus, honnêtement. Enfin, si, je crois que j'avais les... Oh là là, je sais plus ce qui s'est passé, les gens, j'ai aucun souvenir. C'était tellement rapide. Mais bon, je les record au moins de côté Spider, et là, j'ai très bien vu que j'ai cliqué juste un tout petit peu trop tôt. N'empêche, c'est pas ma faute. Quoi? En spamant, achetant, j'ai... Quoi? Ah. Non! No way! Il a acheté le mauvais truc? Oh non, c'est encore pire! Genre, il a acheté la pioche à la place! Il a acheté la améthyste!
Oh non, ne me dis pas que c'est ça. Oh, this is tragic. Bon alors, il y a un hacker, faut faire gaffe. Doudou 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 doudou. Doudou 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 doudou. Doudou doudou. Oh, l'animation. Elle est horrible, l'animation Adidas. Elle devrait être bannie, vous savez quoi? Ils sont plutôt talentueux ces gens ici. Quoi? Triche. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Que dalle. Ah, oh, il se fait sauver par le putain d'hacker, quoi. Bah, désolé, mais le hacker vient te. Oh, je l'ai eu! Let's go! What? J'ai pas réussi à le suivre. Comment elle s'est fait sauver? Quoi? Ah! Elle était buggée, non? Bon, il y a le hacker, du coup, je suppose qu'elle a sauvé. Qu'il l'a sauvé. Yo! Tu peux être fier de toi. Tu l'as totalement mérité. Tout. Ouais, normal que personne n'en veut, c'est comme un Ghost Grimsley mais en pire.
y a quand même plein de reskins dans cette update. Hein. Il y a les Kopesh, il y a les Améthyste Pickaxe et. La Améthyste Pickaxe met en rouge en craft là. Elle est où? Tormenté de Pickaxe. Il y a plein de reskins, les gens. C'est incroyable. Ouais. 20 euros. C'est pas 12? 12 euros pour 1000 Robux, non? Mais si t'as misclick, c'est pas la faute du jeu, je comprends pas. Genre, le système de queue qui fonctionne pas, ça c'est de leur faute, mais... Si t'as misclick, c'est bien ça que j'ai compris. En spamant achetant, j'ai acheté 10 crates en gemme et j'ai acheté la pioche sans faire exprès. Mais du coup, c'est pas de la faute du jeu. Laisse. Ce ne l'est pas. C'est de la faute de l'inattention, je sais pas moi. C'est de l'inattention. Moi aussi j'aurais grave ragé, hein, mais ce serait pas de la faute du jeu, ce serait de ma faute. Totalement de ma faute. D'ailleurs, salut Maewalidema. Désolé, je crois que je l'ai mal dit, très mal dit. Waouh, doucement, what the fuck, stupide hacker. Va voir ailleurs s'ils y sont, les survivants à sauver. What the fuck? What the fuck? Oh le... Oh! Speedy Gonzales. Regardez ça, le speed. Oh là là, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. What the fuck? Oh mon dieu, c'était là. Oh my god! C'était pas un très bon choix. Pourquoi il a fait le tour? Ici, c'est vraiment pas un endroit où il faut traîner, hein. Il y a des endroits dans la map, vous vous mettez genre à cet endroit ici et vous êtes foutu, hein. Vous pouvez pas vous mettre là. Je regarde, je me mets là, je suis mort. Non, je peux pas. Oh là là, c'est tellement une, c'est loin, c'est littéralement le contraire de la safe zone cet endroit. Ici, c'est bien. Parce que moi, t'as un peu d'avance si le tueur a... Oula. Oh, bah attends. Ok, ça va. Bruh. Ah, 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 les crampettes, les crampettes. Yo soy un pescador. Yo soy un pescador. Yo soy un pescador. Oh oh.
Bon, en vrai, genre, je devrais me l'acheter avec des gemmes ou avec des coins, la cabine. Je crois que l'erreur à faire, ce serait de l'acheter avec des. Avec des coins. Ça coûte super cher en coins. Quoi, tu voulais pas me kill? Oh, encore pire. Vous pouvez m'expliquer les gens pourquoi les développeurs ils sont incapables de juste cocher une case. Ok? Genre, est-ce que c'est compliqué de juste cocher la case anchored? Genre, vraiment juste cocher, ancré sur la boîte mining. Est-ce compliqué, messieurs les développeurs, de cocher une case là maintenant tout de suite? Est-ce que vous devez attendre un moment précis pour drop cette minuscule update de juste cocher une case? No! Hey! Salut No! C'est qui? Ah non, c'est pas No! C'est Jimanoa! Comment ça va? Ça va bien et toi? MDR. Tu fais pas ça à moi. Loser. What the fuck? Non! Bro, qu'est-ce qui se passe ici? Aïe, les gars, what the fuck? Qu'est-ce que vous me faites, les gars, là? Vous avez balancé la game, hein? Aha, vous avez vu la traînée? Vous l'avez vu la traînée, vous? Moi, je l'ai très bien vu. J'entends quelques petits casiers. Ils sont en dessous de moi, c'est ça? C'était lui. Get over here. Oh, ils sont encore deux? No way. Putain. Qui donc?
Non! Ah, oh, c'est bon, elle est morte. C'est déjà ça. Qui reste-t-il? Ah, bah, c'est le hacker, non? Ou la personne avec la robe bleue pâle. Oh là là. Okay. Ah. You're not see. Oh merde. Les moves sont insane. Bah, je t'ai dit salut. What the hell? Loading mines, let's go. Il est toujours à sauter sur nos maisons. Putain de merde. Ok. What? Oh, il va plus vite à deux. Wow, il va plus vite à deux, à trois même. Vous avez vu? Et regardez quand je m'en vais. Non, 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 reviens. Oh. Allez, allez. Perso, je trouve pas que le concept il est génial. Je sais pas vous, mais il est pas incroyable, honnêtement, hein. Il est vraiment pas insane. Vous voyez, il n'y a pas d'animation, il n'y a pas. Genre, vous savez pas, vous avez pas idée à quel point rajouter une animation de poussée, ça rajoute tellement au jeu. Genre, rien qu'une animation, les gens, ça rend le jeu tellement plus beau. Oh! Oh! Fais le tour, fais le tour! What? How? Je l'ai porté! What the fuck? Je l'ai porté! I'm there! Messieurs les développeurs, c'est très utile de mettre une entrée normale juste à côté d'un petit truc comme ça. C'est très utile.
Vous nous refaites le même coup que sur Space Lab, non? Waouh, j'ai jamais vu de l'eau aussi plate. D'ailleurs, les gens, techniquement, c'est pas censé être directement à plat, genre quand ça tombe comme ça. Pourquoi c'est un peu orienté vers l'avant? L'eau, de ce que je sais, elle fait pas ça. Hein. Non, non, t'aurais dû me sauver, du coup j'aurais pu aller chercher l'autre personne. Il est où? Ah, ils sont partis. Bruh. Je savais même... Oh! Non! Non! Ah, what the fuck? What the fuck? Je savais même pas qu'on pouvait aller là. Help me! Au secours! Je retiens le killer. Que tout le monde s'en aille. Tant pis, laisse s'échapper les quatre autres. C'est bien. Exactement. J'ai rien ramassé du tout par contre. Oh là là, il y a tout le loot qui flotte dans cette map. Escarada! Wow, quelqu'un a tormenté de pickaxe? No way. Pourquoi le serais-tu? Pourquoi tu serais un chien? Allez les gens, on fait encore deux games, comme ça fera une heure je crois. J'ai pas beaucoup d'espace sur le disque, du coup faut que je fasse gaffe. En vrai, non, dépense pas tes 50 euros pour Roblox, ça vaut pas le coup. Honnêtement. Voilà, exactement, c'est bien. C'est un commencement, c'est un bon commencement. Oh, what the fuck? C'est beaucoup mieux de commencer à investir pour un setup que d'acheter des Robux avec 50 euros. Hein. C'est vraiment... Vraiment, s'il y a vraiment un truc que vous voulez beaucoup, genre quelque chose qui va sortir de rare dans votre jeu, à part ça, je vous dis, franchement, ça vaut pas le coup de dépenser 50 euros pour Robux. Hein. Distance. What the fuck? Oh, j'ai pas de speed. Pourquoi j'ai pas pu ramasser la... J'ai pas pu ramasser la boussole. Pour une play, bah ça c'est un bon projet.
Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, moi je vous le dis. She's right behind me, isn't she? What the fuck? Putain, ça m'a induit en erreur. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Est-ce que vous avez vu? Le but du shift lock. Le but du shift lock quand on porte les personnes est revenu. Jure? No way. C'est pas possible. Comment ça il est revenu? Pitié. Non, pour 15 000, pour 15 euros, tu as pas 2200, t'as 1700. Non, 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 t'as pas 1700. J'ai inversé. T'as genre 1400. Oh les gars, je suis désolé. Oh! God move, God move, God move, God move, God move. Ah ouais, il y a un site où on peut avoir des Robux pour moins cher. No way. That seems pretty cool. Non, comment il sait? How the fuck does he know? Putain, elle est forte la bacon, c'est incroyable. Le nombre de fois que j'ai manqué de me faire kill dans cette game. Qui est cette personne? Cactus. Ah, attendez, c'est qui ça? Je vois pas. Ah oui c'est Yann. Désolé, le pseudo, j'ai du mal. Oh, la métisse pickaxe, ça va bien avec le kick. Oh, pas mal. Nice même. Mm-mm.
Ok. Allez, on continue comme ça, vous savez quoi? Distance. Pourquoi il bouge comme ça? Vous vous souvenez, les gens, pour payer 1000 Robux, c'était 10 euros. C'était accurate, tu vois. Et du coup, après qu'il y a eu cette espèce d'inflation. Bah, les développeurs, ils ont baissé le prix des Game Pass. C'est plus 999, c'est devenu 799. Parce que ça leur rapporte exactement la même chose s'ils baissent les prix. Du coup, au lieu qu'il y ait une hausse et qu'il y ait moins de gens qui achètent, ils ont remis au même prix. Ils ont rééquilibré. Distance! Arrête de me distance! Oh putain. Oh non. Non. Il a pas vu. Oh là là. Il a mis des pièges à tous les recoins. Oh là là. Bon bah du coup le jeu honnêtement, sac à sac il a 1000 gemmes, un peu pour rien. J'espère que l'arme, le second limité qui ne devrait pas exister, j'espère qu'il sera disponible en gemmes. Du coup bah j'ai pas envie d'avoir acheté des gemmes pour rien et de les garder pendant des années jusqu'à ce que ce soit à nouveau utile. Bon je pense que ce sera bientôt dépensé même si ce n'est pas... Même si Sunstar n'est pas dispensable avec des gemmes. Mais vous voyez, ouais. Du coup, les gens, si on n'est pas le killer, prochaine game, c'est la fin de cette vidéo. Minds. Minds. En vrai, on peut pas s'en empêcher, mais en vrai, quand tu dis Minds, c'est compliqué qu'il n'y ait pas ce t, parce que sans faire exprès, tu le dis quand même, tu le prononces quand même le D dans Minds à cause du S. Minds. Bon, bah écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et du coup, bah moi les amis, je vous dis à très très bientôt. Bye les guys.